Dieu, viens à mon aide. Du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi du temps ordinaire. Mémoire de Saint Vincent de Paul, lu par la sœur Cécile Pézin, sœur de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Jacob Senou de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 8, versets 1 à 8. Parole du Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers.
J'éprouve pour Sion un amour jaloux. J'ai pour elle une ardeur passionnée. Ainsi parle le Seigneur. Je suis revenu vers Sion et je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. Jérusalem s'appellera ville de la loyauté et la montagne du Seigneur de l'univers, montagne sainte. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem, le bâton à la main, à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront pleines de petits garçons et de petites filles qui viendront y jouer. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Si tout cela paraît une merveille aux yeux des survivants de ce temps-là, ce sera aussi une merveille à mes yeux. Oracle du Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que je sauve mon peuple en le ramenant du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ferai venir pour qu'ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, dans la loyauté et dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 101. Le Seigneur rebâtira Sion. Il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur rebâtira Sion. Il apparaîtra dans sa gloire. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre. Pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devraient mourir. Le Seigneur rebâtira Sion. Il apparaîtra dans sa gloire. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem. Au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le Seigneur rebâtira Sion. Il apparaîtra dans sa gloire. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 9, les versets 46 à 50. En ce temps-là,
une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les mots qui concluent la première lecture de ce jour nous rappellent ceux prononcés par Dieu quand il conclut l'alliance avec Abraham en lui disant « À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Genèse chapitre 17, verset 8. Ou encore plus clairement en Exode 29, 45, « Je demeurerai au milieu des fils d'Israël et je serai leur Dieu. » Le fil de l'histoire nous fait comprendre que le peuple ne resta pas fidèle à cette alliance et fut donc conduit en exil. Nous nous rappelons encore ici du fameux épisode d'Ézéchiel chapitre 10, dans lequel le prophète vit la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa présence quitter le temple de Jérusalem. Nous comprenons donc plus aisément le langage du retour qu'adopte le Seigneur à travers le prophète Zacharie en ce jour. « Je suis revenu vers Sion, je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. » Une chose essentielle que cela nous enseigne est que malgré tout, Dieu est toujours fidèle à ses alliances indépendamment de ce que nous en faisons. Pour toutes les personnes qui dans leur situation particulière et difficile se sentent abandonnés ou délaissés par le Seigneur, c'est vraiment l'occasion d'oser la confiance et de chanter avec le psalmiste en ce jour. Oui, le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Cette confiance même qui est semblable à celle que les petits-enfants, comme celui que le Christ place au milieu de ses disciples, ont en leurs parents, s'abandonnant en toute humilité et en toute petitesse à leur bienveillance. Puissions-nous, nous aussi, en toute humilité, placer notre confiance entièrement en Dieu qui se rend présent à nos côtés. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.